goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the river bed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn. Bonsoir à tous. Ça me rassure, vous êtes vivants. Vous avez survécu. Alors peu importe si vous avez tenu 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, une minute, le but de cette expérience, c'était pas de tenter de battre votre record personnel ce soir. Le but, c'était d'essayer de vivre une petite parenthèse, un moment suspendu où le temps s'arrête, dans le silence, dans l'immobilité, dans un environnement qui est unique, exceptionnel et surtout tous ensemble collectivement. Et c'était, je crois, une très belle expérience. Ce sont des moments assez rares dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où les maîtres mots, c'est l'urgence, c'est la vitesse, c'est la communication, c'est l'information, c'est l'instantanéité, tout va très très vite. On est toujours sollicité par nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, les réseaux sociaux, la télé, la radio, les panneaux publicitaires, les coups de fil, les SMS, les mails, etc., etc. C'est incessant. Et donc du coup, on n'a jamais de moment au calme, au repos, pour laisser un peu notre mental, donc c'est toutes nos pensées, un petit peu de répit. On n'en a jamais.
Il faut savoir que sur le long terme, un mental qui est en hyperactivité en permanence, ben, c'est pas bon. Ça crée de la fatigue. Fatigue nerveuse, physique, qui devient chronique. Ça crée beaucoup de stress. On a tous entendu parler de ce fameux burn-out qui nous guette tous. Et ben moi, ma thérapie pour échapper à cette frénésie, ben c'est l'apnée. Alors l'apnée, je le pratique en compétition pour faire des records. J'explore le monde pour plonger dans les plus beaux endroits du monde. Mais depuis quelques années, j'utilise aussi l'apnée comme une forme d'hygiène de vie. C'est devenu un mode de vie, une philosophie. Et c'est une manière pour moi d'avoir une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale. Ça apporte, disons, beaucoup de bien-être. Alors je sais que cette idée de bien-être, elle n'a pas forcément été évidente pour vous tout à l'heure, quand on a fait le petit test. C'était pas évident hein, de se détendre et d'avoir arrivé à avoir du bien-être, parce que vous êtes assis, ça fait quelques heures que vous êtes assis, on n'est pas dans l'eau, et c'est beaucoup plus facile de se détendre quand on est dans l'eau. Et puis en plus de ça, l'idée de faire de l'apnée, vous avez beaucoup d'a priori. Parce que faire de l'apnée, c'est arrêter de respirer. Et arrêter de respirer, c'est un petit peu arrêter de vivre. Et donc du coup, pour chacun d'entre vous, je sais que ça fait remonter des choses ancrées très profondément depuis l'enfance. Cette idée que faire de l'apnée, c'est suffoquer, c'est paniquer, c'est très anxiogène. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire dans ces quelques minutes, c'est essayer de balayer tout ça et vous montrer que la pratique de l'apnée, arrêter de respirer et apprendre à respirer, ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour le corps humain et pour votre mental. Et on peut se nourrir énormément de ce type d'expérience. Mais d'abord, je vais vous amener d'abord dans l'univers de la respiration. Puisque avant de faire une apnée, forcément, il faut bien respirer. Vous m'avez vu, j'étais assis sur ma chaise, j'ai ventilé calmement. Et la respiration, vous êtes en train de respirer là, pendant que vous m'écoutez. Ça paraît tellement évident, c'est tellement banal. On est sur un premier cri, un jour on mourra le plus tard possible, j'espère, sur un dernier souffle. Et puis entre les deux, eh bien, on va passer une vie à respirer, une vie entière à respirer de manière totalement inconsciente. Et ben moi, j'utilise la respiration comme une baguette magique. Et grâce à la respiration, j'arrive à modifier des états de conscience. J'arrive à modifier mes émotions, mon mental, et aussi la façon dont réagit mon corps. Donc, je pourrais faire une heure sur la respiration, mais je vais essayer de vous donner trois petits trucs, trois petits points sur lesquels moi je me concentre avant de plonger très profond. La première chose, c'est au niveau de l'inspiration. Au niveau de l'inspiration, je vous ai bien regardé tout à l'heure quand il y avait écrit « respirer profondément » et je vous ai tous vu faire la même erreur, c'est-à-dire que vous avez tous respiré avec la partie haute des poumons, ce qu'on appelle la respiration thoracique. C'est ça. Alors que nous sommes dotés d'un muscle extraordinaire qu'on appelle le diaphragme et qu'on pourrait utiliser la respiration diaphragmatique. Avec le diaphragme, donc qui est le muscle principal de la respiration, qui va tapisser le fond de la cage thoracique, qui va séparer l'abdomen de la cage thoracique, en contractant ce diaphragme, on va permettre à toute la colonne d'air de rentrer, on va remplir toute la partie basse des poumons, et on va assurer un remplissage maximal, sans aucune tension. Une respiration, sur le long terme, qui se fait avec le haut de la cage thoracique, avec la nuque, avec le sternum, avec toute cette partie-là, sur le long terme, va créer beaucoup de tension. Vous avez tous entendu parler du mal de dos, le mal de nuque. Vous savez tous que si je viens entre vous là et je viens vous masser la nuque, je ne vais pas le faire, hein, désolé, mais si jamais je venais vous masser la nuque, je verrais beaucoup de tension. Et tout ça, c'est lié à une mauvaise respiration. Donc apprendre à respirer avec le diaphragme, à inspirer avec le diaphragme, ça permet déjà d'évacuer beaucoup de tension et surtout, ça permet d'oxygéner le corps et l'organisme un maximum. Respirer avec le diaphragme, ça ressemble à ça. Vous pouvez mettre une main ici et une main là. Et il n'y a que la main sur le ventre qui doit bouger. Et dans la vie de tous les jours, là, vous devriez ne respirer qu'avec le diaphragme. Deuxième point important. À la fin de l'inspiration, il ne faut pas se précipiter à vouloir expirer tout de suite. À la fin de l'inspiration, moi, j'essaye à chaque fois de faire une petite rétention d'air. Une rétention d'air, ce n'est pas une apnée, parce que ça dure 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes maximum. Et
en faisant cette petite rétention d'air, je vais arriver à modifier l'activité cérébrale, mon activité cérébrale. Il faut savoir que l'activité cérébrale peut être enregistrée avec un électroencéphalogramme. On peut voir les ondes donc qui montrent l'activité électrique, et les ondes ont différentes fréquences. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes attentif. Majoritairement, il y a des ondes bêta. Dès que vous arrêtez de respirer, ne serait-ce que quelques secondes, automatiquement, vous allez diminuer la fréquence de ces ondes cérébrales, donc diminuer l'activité cérébrale, et on aura une prépondérance des ondes alpha. Et instantanément, on va avoir un état de bien-être et un état de calme. C'est magique, c'est tout simple, hein. On peut le faire là instantanément. Troisième chose ultra important, peut-être même le plus important, c'est l'expiration. J'essaye toujours d'avoir un contrôle de mon expiration. J'essaye que l'expiration soit la plus longue possible. Pour la faire durer longtemps, je vais juste fermer la sortie. Je vais diminuer le débit. Ça ressemble à ça. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon on a pour 1 minute encore. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en mettant notre perception sur la manière d'expirer et en expirant le plus longtemps possible, on va aboutir à un état de calme de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'une expiration contrôlée va stimuler le nerf vague qui va du coup activer le système parasympathique responsable de on va dire, de calmer l'organisme et de ralentir l'activité cardiaque. Quand on expire lentement, le cœur ralentit. Et donc, avant de partir pour mon apnée, avec ces trois points essentiels, je suis dans les meilleures dispositions. Mais là, ce qui est intéressant, parce que je me doute bien que vous n'allez pas tous devenir apnéistes du jour au lendemain, mais par contre, utiliser la respiration dans la vie de tous les jours pour, en un clin d'œil, atteindre un état de relaxation quand vous êtes dans un état de stress, ça, c'est super important. Moi, dans la vie de tous les jours, j'utilise tout le temps cette petite technique de respiration. Avant de rentrer sur scène, je peux vous dire que je ne faisais pas le fier. Et grâce à la respiration, j'ai pu m'apaiser totalement. Maintenant que mon corps et mon mental sont prêts, je peux commencer l'apnée. Donc pour commencer mon apnée, je vais faire une inspiration complète. Donc là, cette fois-ci, je peux me permettre d'utiliser et le diaphragme, puis ensuite la cage thoracique. Mais dans l'ordre, d'abord le diaphragme, puis ensuite la cage thoracique. C'est comme une bouteille d'eau. Quand vous la remplissez, on remplit d'abord le bas, puis ensuite le haut. Et là, je commence l'apnée. Et quand je commence mon apnée, finalement, le fait d'arrêter de respirer, c'est comme si je fermais la dernière voie de communication avec le monde extérieur. Le fait de fermer la bouche et de couper toute circulation d'air, je me retrouve avec moi-même. Généralement, je fais ça dans l'eau. Et là, c'est encore plus fort. Dans l'eau, je me retrouve totalement englobé par l'élément liquide. Je suis dans un autre univers. Mais ça peut être un peu effrayant quand on n'a pas l'habitude, parce qu'à ce moment-là, je me retrouve en tête à tête avec moi-même. Je me retrouve seul, face à face, sans aucune source de distraction. Parce que c'est ça, le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui est rempli de distractions. Tout le temps. On est tout le temps ouvert sur l'extérieur. Et qu'ils sont bons ces moments où on arrête, on coupe le son, on coupe l'image et on se retrouve seul avec soi-même. Il y a un état immense de relaxation qui arrive. Ce qui est fantastique, c'est que le corps nous accompagne dans cette expérience. C'est-à-dire que sans rien qu'on lui demande de faire, le fait de se mettre en apnée, vous allez avoir le rythme cardiaque qui va diminuer encore plus. C'est un réflexe qu'on appelle le réflexe d'immersion qui intervient même si on ne s'immerge pas. Dès que l'on arrête de respirer, c'est un mécanisme de protection du corps pour préserver l'oxygène. Donc le métabolisme ralentit et je me mets un peu en hibernation. Et là, je ne peux pas m'enfuir. Je ne peux pas me cacher. Je suis dans une relation très intime et dans un face-à-face avec moi-même. Et c'est un peu comme si je faisais pour la première fois connaissance avec qui j'étais. Dans notre vie de tous les jours, les deux verbes qu'on utilise le plus souvent et qui caractérisent notre comportement, c'est faire, on est toujours dans l'action,
et avoir, toujours dans la quête de la possession. Et quand je me mets en apnée, et quand j'arrête de respirer, c'est un autre verbe qui prend le relais, c'est être. À ce moment-là, j'ai l'impression vraiment, pleinement, d'être. Et cette expérience-là, elle paraît comme ça complètement surnaturelle. Peut-être vous vous dites, mais il est complètement timbré celui-là, c'est normal, c'est un champion du monde, etc. Et bien, c'est ça que j'ai envie de vous les faire passer comme message finalement, c'est qu'il n'y a rien de plus simple que d'apprendre à respirer, à maîtriser votre respiration, et il n'y a rien de plus simple que de retenir ne serait-ce que quelques secondes sa respiration. Calmement, ça peut se faire dans son lit, ça peut se faire dans l'eau. Il y a des clubs d'apnée partout en France maintenant, à Paris, il doit y avoir une dizaine de clubs d'apnée. Et je vous garantis que l'expérience de l'apprentissage de la respiration et apprendre à arrêter de respirer, ça va vous apporter énormément de choses. Énormément de choses pour votre santé physique, émotionnelle, mentale. J'ai mis quelques mots-clés là pour vraiment résumer tout ce que la respiration et l'arrêt de la respiration vont pouvoir vous procurer. Un état de calme, le silence, la sérénité, une meilleure capacité à se concentrer, une connexion, une harmonie avec vous-même et avec l'environnement qui est autour de vous. Et également, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie que vous allez pouvoir utiliser pour mieux vivre au quotidien. Alors, si j'ai un mot à vous faire passer pour finir, c'est n'ayez pas peur. En faisant de l'apnée, vous n'allez pas suffoquer, vous n'allez pas vous étouffer, vous allez juste basculer dans une autre dimension et vivre des expériences personnelles et intimes extraordinaires. Merci à vous.